Yo, salut à tous les amis, c'est Glogloa71 et on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de New Millionaire saison 2. Je commence juste la petite vidéo ici parce que je veux vous montrer un petit truc. Si j'appuie sur F5, on voit un petit cratère dans notre base. Tout simplement parce qu'en fait, à la fin de la vidéo, enfin, à la fin de l'épisode 4, je vous ai dit au revoir et tout. Je commençais à ranger tous les trucs dans les coffres. Et en fait, il y a un creeper qui est arrivé tout simplement de la mine, qui est monté, qui m'a fait un petit coucou, quel bel abri et tout. On a pris un petit thé et tout. Et au moment de se barrer, bah, il a explosé, donc il a fait péter un petit morceau. Donc du coup, j'ai rebouché, j'ai mis un cube de cobble ici. D'ailleurs, je vais remettre une torche. Bon, j'ai de la chance, il a fait péter aucun coffre. Donc là, vous pouvez voir, j'ai mis plutôt items, tout ce qui avait rapport avec jardinage, bouffe ou animaux. Et ici, tout ce qui était plutôt matériaux. Enfin bref, c'est rangé un peu à l'arrache, mais c'est rangé quand même. Là on va d'abord aller couper les arbres parce que j'avais dit que je le ferais la dernière fois. Ce qui serait pas mal aussi, ça serait d'essayer de commencer un élevage. Alors là, je sais que c'est le début de la série, donc enfin de l'aventure tout simplement. Donc je vais faire plutôt les trucs basiques de Minecraft, hein, c'est-à-dire je fais enfin l'agriculture, on va partir miner, récolter un peu de fer et tout, mais vous en faites pas quoi. Plus ça va. Plus ça va aller vite quoi, enfin, en gros. C'est vraiment là histoire juste de se faire une base plus ou moins stable, histoire d'avoir des ressources utiles au début de partie. Mais ensuite, ouais, pas de soucis, on ira tuer du mob un peu partout, ça y a aucun problème. Et puis bah, je suis assez pressé en fait d'aller miner et de trouver un peu d'or et tout, parce que j'aimerais bien aller visiter moi personnellement le monde du Seigneur des Anneaux. Je suis assez pressé d'y aller personnellement. Il faudrait aussi que j'arrive à élever un cheval. Donc pour ça, il va falloir que j'ai un peu de blé. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a un petit peu qui a poussé. Donc là, attendez, j'attends juste un peu qu'il y ait quelques pousses qui tombent, histoire de pouvoir les récupérer. Là, oh oui, j'en ai une. Hop, si je... Non, je vais pas la poser là, je vais la poser là. Allez, 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 je vais essayer de les casser. Ah, ta 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 ta. Ouais, parce que j'aimerais bien faire une bonne ferme, parce que là vous avez pu voir quand même qu'en 4 coups de... Enfin 4-5 coups de hache, j'ai quand même récupéré un stack... Un stack, bah, et 14 bûches, donc ça va être assez pratique pour aller commercer avec les villageois là. Enfin je vais aller vendre tout ça d'ailleurs aux villageois, voir si j'ai un peu d'argent et voir ce qu'on peut commencer à acheter et vendre. Hop, voilà, j'ai ça, je vais le poser où? Ah là, il y en a qui tombent aussi. Non, c'était une bûche, dommage. Allez, j'aimerais bien refaire pousser un arbre géant là, parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Ah là, deux, parfait. Bah limite, attendez, je vais en mettre un autre d'ailleurs de grand là, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et de plus optimisé et de plus optimisable. Donc, casse-toi le pig. Hop, ça là, ça là, ça là. Et puis bah là, j'en ai une en rade, on va la mettre là. Ok, donc on repassera. Tiens, le cochon crève. Hop, ça c'est fait. J'aimerais bien tuer un cheval. Il faudrait que je me fasse une armure aussi. Alors, d'ailleurs, est-ce que les chevaux donnent du cuir ou pas? C'est une bonne question. Non, pour l'instant, celui-là, il m'a rien donné. Moi, je vais pouvoir les buter, hein, parce qu'il y en a des millions. Donc, écoutez, hein, je vais me faire plaisir là-dessus. Non, il donne rien. C'est chiant, ça. Allez, frère, frère, frère. Allez. Ah, bah non, il me donne rien. Bon, d'accord. Dommage, écoutez. Au moins, je vais me rattraper sur les vaches, on va dire. Allez, viens là, toi. Ok, bon, bah j'ai un cuir, donc pour l'instant, je vais avoir 5 de cuir. Bon, ça sert un peu à rien, surtout que j'ai déjà une armure en fer en fait. Mais. Ah, si, il y a des patates qui ont poussé aussi. Ok, j'avais pas vu. C'est vrai que les patates, c'est chaud et j'ai pas du tout l'habitude d'en faire, tout simplement. Donc, j'arrivais pas à voir si c'était fait ou pas. Attendez, je vais juste mettre ça là. Des baguettes potatoes. Tiens, je vais manger ça d'ailleurs. Ram, ram, ram. Alors, ça donne combien une fois cuit? Oh, ouais, pas mal! Ah oui, bah c'est largement optimisé. Hein. C'est vrai que vous m'avez spammé pour me dire que les patates se cuisaient. Enfin, même si je le savais, je l'avais pas fait. Mais oui, en effet, ça vaut vraiment la peine. Parce qu'on passe d'une demi-barre de bouffe à peut-être 2-3, je crois, ou 2,5. Ouais, c'est vraiment cool. Ok, alors hop, j'aimerais juste récupérer les graines pour pouvoir replanter, s'il vous plaît. Voilà. Là. Là. Merde, j'ai pété celle-là aussi. Là. Là. Hop, bon, comme d'hab dans une millénaire, je vais passer du temps dans mon champ de blé. Du coup, combien j'ai de blé? J'en ai 6. Moi, je vous propose d'essayer d'adopter le premier cheval, déjà. C'est pas sûr du tout, parce que ça risque de se fail. Hein. Ça se trouve, ça va pas marcher du tout. Faudrait que je pense à reboucher ça aussi, peut-être un jour. Bah écoutez, attendez, je vais prendre un peu de bois. Hop, hop.
Là, on s'est complètement fait à l'arrache, hein, c'est pas grave. Et puis basta, ça me bouche l'entrée de la mine, mais bon, écoutez, pour l'instant, c'est juste. Ça fait trop bizarre un plancher en bois avec le reste à côté, c'est magique. Tiens, d'ailleurs, hop, on va juste faire ça comme ça, parce qu'il m'en reste deux, j'ai la flemme de les garder. Bref, je vais poser ça là. Qu'est-ce que je veux poser? Non, rien du tout, il me faut juste trois fers, voilà. Trois petits fers. En fait, le cuir va pas me servir à me faire des bottes ou quoi que ce soit, mais on va se faire la selle. Parce que là, on peut crafter la selle pour les chevaux, mais c'est pas la même que pour les. Que pour zut, comment ça s'appelle, pour les cochons et tout, parce que je crois d'ailleurs qu'on peut la crafter aussi. Et donc voilà, vous avez une crafted saddle, donc ouais, une je sais pas, une selle craftée, mais je sais pas trop comment on peut le traduire en français. Donc un cheval, alors je vais prendre un cheval pas trop compliqué, c'est-à-dire ceux-là là, donc c'est les normaux entre autres. Vous savez, les noirs se déplacent plus vite et tout, enfin, en général plus ils sont foncés et plus ils sont classe, enfin plus ils sont rares déjà et plus ils sont magiques. Lui il servait des trucs géniaux. Il y a un arbre qui a repoussé là d'ailleurs là-bas. Ah bah je croyais que je pouvais lui donner, non? Ah bah merde, lui je peux pas lui donner. Ou alors faut les élever d'abord. Ah d'accord, je peux même pas leur donner. Merde, alors il va falloir que je relise le guide pour les chevaux. Ou alors on donne des trucs spéciaux maintenant. C'est peut-être que des pommes, je sais pas. Hop, non il veut pas, il veut pas, il veut pas. Ou alors c'est peut-être pas des chevaux. Ah, je sais pas, parce qu'il me semble que Lord of Rings rajoute aussi des chevaux, et peut-être que bah, du coup, c'est pas les mêmes chevaux dans les mêmes modes, et qu'on les élève pas de la même façon. Je sais pas, j'en sais pas. C'est dommage, c'est un beau fail. Bah écoutez, quoi de mieux qu'un fail pour commencer un élevage de chevaux. Tac, toc, toc. Alors, non, eux peut-être, je sais pas, c'est les mêmes. Non. Bon, si je lui donne des patates, ça marche pas non plus. Ou alors si je fais ça, non. En mettant sneak, hein, j'essayais, on sait jamais. Allez, bouffe. Ah, c'est bien la première fois que j'ai envie de donner à bouffer à des trucs. Oh putain, il y a plein de vaches là. Merde, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Donc voilà, on reprend. Alors je suis désolé, j'ai fait une petite ellipse, mais ça s'imposait parce que le problème que je redoutais est survenu, c'est bien ça. C'est qu'en fait tous les chevaux que vous voyez ici ne sont pas les chevaux issus du mode mot créature, mais vous voyez quand ils sont un peu carrés comme ça, c'est qu'ils sont issus en fait du mode Lord of Rings, donc le Seigneur des Anneaux. Donc il y en a aussi en fait dans l'autre monde, hein, bien sûr avec le Rohan et tout. Donc voilà, en fait ça c'est pas les bons chevaux tout simplement. C'est assez embêtant. Ceux par contre qu'on voit la nuit qui sont squelettiques et tout, bah voilà, c'est ceux du mode de mot créatures, mais voilà, ceux-là c'est pas les bons. Et d'ailleurs il y en a des millions, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, j'ai testé. Donc eux c'est normal. Je sais pas si on peut les élever, mais ce que je sais c'est qu'on leur donne juste des selles normales en fait pour pouvoir monter dessus. Donc voilà. Donc en fait ces chevaux c'est oublié, c'est juste qu'ils ressemblent à ceux qu'il y avait dans la version du mode pour la 1.8. Mais voilà, c'est pas le bon truc. Alors juste j'appuie sur M parce qu'il me demandait, voilà, presser M pour plus d'informations. Ah non, d'accord, c'est des trucs comme ça. Ça c'est statut, vous n'avez pas commencé le chapitre. Nanana, ouais, c'est ça. Parce que là, il y a des quêtes en cours et j'en ai toujours pas. Donc là, il y a le petit village qui est ici. Moi, je vais juste vous vendre un petit truc. Tiens, toi, merde. Toi, je vais juste te donner un peu de bois, voire même beaucoup. Tiens, c'est comme ça. Tac. Voilà, je vous ai donné tout ce que j'avais en bois. Je peux même vous donner ma picaïs, mais c'est mort. Je peux vous donner un œuf. Pourquoi pas. c'est pas grave. Écoutez, s'ils me donnent de l'argent en échange d'un œuf, je dis pas non. Écoutez, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent bien. Est-ce qu'ils veulent bien que je leur donne des briques de terre, des briques cuites? Ouais, parce que ça peut être sympa. Donc je vais juste vous montrer. Je vais acheter ceci. C'est un moule à briques. En échange de. Oh bordel, ça coûtait cher. Non, pas grave. Un moule à briques qui va nous permettre en fait de fabriquer bah, ces briques-là en fait. Ouais, bah, je vais vous montrer ça maintenant. Soyons fous. Je vais juste récupérer une ou deux citrouilles. Parce que ça sera fait. Là, voilà, j'en ai deux. Donc, ouais, par contre, au niveau des chevaux, ça va être embêtant. Parce que si j'en trouve pas un normal assez vite, et bah, ça risque d'être assez embêtant. Alors, déjà, je vais couper tous ces arbres là. Parce que ça va m'énerver. Il faut pas grand chose pour m'énerver, je sais, mais bon, c'est comme ça. Du coup, je coupe ça, je coupe ça. Allez, si je peux ramasser cette bûche, merci. Bon, faut quand même avouer que là, le mode timber est assez efficace. Hein. Hop, bon, j'ai quand même à casser les feuillages, voilà, là, quelle torture. Je sais pas du tout si c'est le bois qu'ils utilisent pour le village ou pas, mais
Enfin bref. Ah là, vous voyez, le moule à briques va me permettre de faire ça en fait. En utilisant un bloc de sable et un bloc de terre, vous pourrez ensuite. Enfin, vous pourrez créer ces blocs-là. Et ensuite, vous avez juste à attendre un peu, ils vont sécher au soleil et ça va vous donner ça. Là, vous voyez, ils sèchent au fur et à mesure, ils restent ensemble. Et donc après, vous pouvez le péter, puis bah, soit on en fait quelque chose de joli, soit on commerce avec les villageois. Donc ça, c'est que des chevaux qui sont pas très gentils. Alors, ce que je vais faire, je vais regarder dans les trucs du mode. Donc, normalement, j'appuie ici et dans Options, peut-être Contrôle Global Mode Option Dark Zernmo Creatures. Donc là, vous voyez, on peut changer tous les trucs. Donc, custom, spawner, hostile, on s'en fiche, animal, ambiant, nanana, ouais. J'aimerais juste voir où sont les chevaux du coup. Alors, c'est quoi Max Group, General Settings, sinon. Water Mob. Bah, il n'y a pas tous les mobs apparents, c'est bizarre. Insta Spawner. Spawner. Attendez, normalement, il y a moyen d'aller voir. Il y a moyen d'aller voir tous les trucs, enfin tous les mobs un par un. Custom Spawner. Peut-être en cliquant là-dessus. Non, 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 non. Normalement, il y a moyen de changer. Général. Ah non, merde, attendez. Je retourne à chaque fois dans le même truc. Ah non, d'accord, c'est là. Merde, je suis là. Monster Frequency, Min Group, Monster General Settings. Ogre. Alors, ça, c'est les ogres. Bon, sans façon. Ah voilà, c'est ici. Donc là, on peut augmenter tout simplement le nombre de chances pour qu'ils apparaissent. C'est quoi ça, Giant? Bon, vas-y, j'augmente, je sais pas ce que c'est. Eldrazi, ça m'énerve. les orques, ah oui, bah ça, du coup, en fait. Ah, c'est pas mal, parce que ça, c'est mélangé avec le mode. Avec le mode Lord of Rings, justement. Là, vous voyez, il y aura des orques, des archers. D'ailleurs, les géants, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que du coup, ça appartient peut-être au mode. Zombie, Werewolf, Slime, Silverfish, Big Golem. Ta 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 ta. Alors, je cherche où est Horse, donc pour cheval. Il est pas là-dedans, forcément. Si pourtant tout est là. Monster, monster. Ouais, enfin du coup c'est peut-être que les mobs méchants. Ou alors il faut aller créature spawn. Oh c'est quoi? On peut number to spawn créature type beer, big cat, bird, bunny. Oh d'accord. On peut faire apparaître ce qu'on veut. Bah merde, attendez. Du coup je vais faire apparaître un cheval. Bon, écoutez, certains considèrent ça comme de la triche, mais bon, écoutez, je sais pas où il y en a et j'ai juste envie de vous montrer ça. Fairfly, fish, faut pas que je le loupe. Ça, je viens de le louper en fait. Non, merde, il était là! Ah, je viens de le planter. C'est horse ou horse mob? Spawn. Voilà, je t'ai fait spawner. Bah, je sais pas du tout si ça marche en fait, hein, je dis ça comme ça, mais. Ah, bah si, là, oh bordel! Oh ok, bah sauf que là, forcément, j'apparais, mais c'est le méchant. Ça, c'était le méchant cheval. Celui qui donne de l'XP au passage, pourquoi pas. alors voilà, ça c'était un méchant. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Donc ouais, bon, certains considéreront ça comme du cheat, mais bon, c'est pas grave, écoutez. Ouais, mais c'est pas mal ça. Vraiment, je savais même pas que ça existait. Bon, du coup, il faut que je refasse tout. Là, vous m'entendez en train de martyriser ma pauvre souris. Bunny, cat, deer, dragonfly, duck, éléphant, firefly, fish, fly, fox, goat, golem, horse. Alors, est-ce que ça apparaît? Est-ce que ça apparaît? Oui, normalement. Ouais! Ok. Oh, c'est un tout petit! Merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, j'ai confondu les touches. C'est un tout petit cheval! Ouais, mais du coup. Ah, regardez, il grossit à vue d'œil! Regardez, attends, il va grossir. Attendez, il grossit, hein? Je rêve pas. Hein. Attendez, attendez. Il grossit, je l'ai vu grossir. Je suis sûr, il va grossir. Il va grandir d'un pixel, je sais pas, toutes les 5 secondes, peut-être. Allez, grossit! Bon. Non, il faut peut-être que j'attende qu'il soit à taille adulte du coup pour. Donc c'est ça. Ça doit pouvoir le faire spawner, mais du coup en petit, ensuite faut attendre qu'il soit de taille adulte pour l'élever du coup. Bah pourquoi pas. Écoutez, moi je vais attendre, j'ai rien à faire. Hop, allez, grandis. Je peux peut-être lui donner à bouffer, ça va peut-être le faire grandir plus vite. J'en sais rien moi. Tiens, tu veux manger du blé? Ah bah si, regardez, ah bah si, il a encore grandi. Hey, à ce rythme-là. Ah bah tiens, regardez, il le mange. Il grandit à chaque fois, regardez, ça le fait grandir. Tong, tong. Oh, trop drôle! Il est toujours pas à l'âge adulte, dommage. Tiens, tu veux peut-être manger. Peut-être manger de la viande? T'es un fou, toi? Non, t'es pas un fou. Bon, dommage. Ah, merde. Bon, bah écoute, grandis, petit. Oh, c'est trop drôle, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Tiens, en même temps, je tue les autruches parce que je trouve qu'elles servent à rien. Et ça m'énerve plus qu'autre chose, en fait. Où qu'il est? Faut surtout pas que je le perde parce que du coup, ça va être mon tout premier cheval. Il est beau en plus, il est joli, j'aime bien la tête qu'il a. Oh, j'entends un serpent. Oh, un serpent! Un serpent de lave!
Regardez, en fait c'est plein de petits cubes de lave le truc. C'est trop drôle je trouve. Allez, crève. Ah mais son mollet est mort. Bon bah facile. Il m'a pas donné d'œuf celui-là. Oh là là. Où qu'il est mon cheval? Où qu'il est mon cheval? Ah! Où qu'il est, 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 il est là. Il est là, il est là, il est beau, il est grand, il est fort. Il est encore petit. Allez, grandis un peu. Mais il faudrait du blé en fait. Mais j'ai pas de blé. Ah! Vite! Dépêche-toi! Grandis petit. Grandis petit. Ouais bah oui, bah t'as pas de blé. Bah écoute, viens avec moi. Hop, allez. Comment je me promène, c'est trop drôle. Il me faut du blé pour le faire grandir plus vite. Ou alors que j'arrive à l'enfermer dans un trou. Ça sera un peu sadique, mais écoutez, comme ça je serai sûr de l'avoir. Hop. Allez. Allez, 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 allez. Allez. Non. Allez, tombe dans le trou. Peut-être que je fasse un trou plus grand aussi. Il y a plus de chance. Après, je sais pas s'il pourra en sortir du coup. Allez, non, putain, il a failli tomber. Ouais, intelligence artificielle de merde, avant c'était trop simple. Oui, yes! Ok. Bon, alors normalement il peut pas en sortir. Je dis bien normalement parce que bah, c'est un cheval, c'est intelligent quand même. Bon, écoutez, hein, hop. J'espère juste qu'il va pas mourir parce que sinon j'aurai un peu la haine. Allez, vite, je vais chercher juste un ou deux de blé. Et bah écoutez, on revient. Tac, 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 tac. Oh, un lapin, c'est trop rigolo. Ta ta ta, Rainforest. Allez, je cours, je fais ce que je peux. J'aimerais bien l'avoir au moins avant de finir l'épisode. Donc, une fois de plus, je vais respecter. Je vais faire 20 minutes. Enfin, de toute façon, vous pouvez le voir. Allez, un petit peu de blé. Putain, j'ai peur qu'il disparaisse en fait. Honnêtement, j'ai vachement peur. Allez, du blé, du blé, du blé, du blé. Viens, viens là, espèce de blé. Ah, bah non, c'est vrai, à chaque fois, je me mets en sneak. Mais non, c'est un vieux réflexe, y a pas besoin. Toc, toc. En fait, il faudra un plus grand truc de blé parce que ça pousse à deux, alors c'est relou. Hop. Bon, je sais, il m'en faut pas autant, mais bon, au moins, ça sera fait. Hop. Là, là, là. Ok, bon, ça le fait. Allez, je suis parti, les patates, on verra ça plus tard. Et on va voir notre petit cheval. Allez, allez, Rainforest. J'en ai combien? J'ai 9 blés. Bon, ça le fait. Je pense que c'est plus efficace d'ailleurs si on leur donne du pain. Parce qu'on peut les nourrir avec pain ou blé. Et normalement, le pain est censé être plus efficace. Mais je sais pas si pour les faire grandir ça marche aussi. Il faudrait que je regarde d'ailleurs. Parce que limite, s'il y a que des chevaux comme ça de ce mode-là et pas d'autres. Enfin, voilà, comme celui que je viens d'emprisonner. Enfin, les vrais du mode créature. Et bah, je pourrais en faire spawner deux. Et ensuite, bah, on fera que de l'élevage. Écoutez, hein, c'est pas bien grave. Ça sera rigolo aussi. Alors, est-ce qu'il est encore là? Eh merde, il est plus là. Non, pourquoi il est plus là? Non! Putain, je sais pas pourquoi je m'y attendais en plus. Je me suis dit, bordel, il va disparaître. Ah merde. Je suis parti, peut-être plus de 24 blocs. Du coup, il a disparu, je sais pas. Merde. Oh, c'est chiant ça. Ça, c'est chiant. Bon, vous savez quoi? Au pire, j'ai 9 blés sur moi. On va recommencer. Il y en a qui vont pas apprécier. Je sais pas trop quelles seront vos réactions dans les commentaires. Mais bon, écoutez, moi je veux un cheval. Ah bah, encore en plus, il est déjà grand celui-là. Bon, ah, parfait. Hop, alors je saute dessus, il m'éjecte, et normalement, en essayant plusieurs fois, il y a un moment où bah, il m'acceptera tout simplement. L'élevage est devenu beaucoup plus simple. Hein. Avant, il fallait leur donner 2 stacks de pain. Hein. Maintenant, il suffit juste de sauter sur eux un petit moment. Allez, tiens, mange du blé, comme ça te fera plaisir. Moi, je vais manger des baked potatoes. Et on est reparti. Wouhou! Vas-y. Non, toujours pas. Toujours pas. Allez, peut-être, non, toujours pas. Peut-être, oh. Allez. Allez. Oh, le suspense absolu, quoi. Bienvenue dans Un New Millénaire, le suspense absolu. Est-ce que je vais réussir à avoir un cheval ou pas? Allez. Bon, attendez, je descends, je remonte alors. Allez. Tu veux bien m'élever, ça va de soi. Allez. Espèce de cheval! Ah, oh, je veux l'avoir, quoi, c'est ça le truc. Je le veux absolument. Bah tiens, je le contrôle là ou pas? Oui, je le contrôle. Je le contrôle. C'est moi qui le contrôle là. J'ai pas eu à le renommer, mais écoutez, je le contrôle. Ouais. Ok. Bon, bah c'est moi qui le contrôle. Bah écoutez, on va à la maison. On va à la maison, on va à la maison. C'est bizarre quand même que j'ai pas eu à le renommer. Mais bon, écoutez, enfin, c'est pareil, c'est peut-être une fois de plus un bug, il y en a des milliers. Ouais. Bon, bah c'est grave classe, hein. Yeah!
Hier, je suis Glogloss71. Respectez-moi et craignez-moi. Ouh, yeah. Aïe, putain, j'ai morflé. Je suis trop fort. Bon, bah, bref, je sais pas pourquoi je vais le renommer. À mon avis, je vais faire une déconnexion-reconnexion et j'aurai à le renommer. Comme ça sera la surprise pour le prochain épisode. Vous saurez pas du tout comment il s'appelle. Là-dessus, les amis, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Et moi, bah, j'espère que vous avez aimé. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. De me rejoindre sur Facebook aussi, il y a plein de petites news, ça peut être intéressant. Et moi là-dessus, je vous dis salut et à la prochaine. Bye tout le monde!